Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Joxbox TV. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très très spéciale. Alors une vidéo qui va un peu dépasser le temps. Comme j'ai l'habitude de faire des vidéos qui sortent de l'ordinaire, j'ai décidé de vieillir les personnages de Call of Duty Black Ops PS4. Donc j'ai utilisé l'application FaceApp, je ne sais pas si vous connaissez. Mais en tout cas c'est une application qui permet entre autres de vieillir les personnes grâce à une simple photo. Bon, ça permet de faire d'autres choses, mais moi j'ai utilisé le vieillissement. C'est une application controversée qui fonctionne plus ou moins bien en fonction de la personne, de l'âge de la personne, voilà. J'ai donc décidé de faire un mix entre Call of Duty et cette application. J'ai vieilli les personnages d'environ une trentaine d'années. Et vous, dans 30 ans, que ferez-vous? Vous jouerez encore à Call of Duty, à la console, à la Play? On sait même pas, dans 30 ans c'est très loin. En tout cas, il y aura sûrement des personnes qui seront à la retraite. Moi, j'aurai déjà 61 ans, donc à mon avis, d'ici là, il s'en passera beaucoup de choses. Donc voilà, j'ai fait cette vidéo un peu spéciale, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, liker et mettre un commentaire. Et je vous souhaite un bon visionnage à tous. Donc concernant le remplaçant, c'est l'acteur suédois Peter Stormare qui incarne ce rôle. Donc je sais pas si vous l'avez découvert, mais en tout cas il était dans Prison Break, c'est là où moi je l'ai découvert en premier. Alors Mason, c'est un agent de la Central Intelligence Agency, voilà CIA tout simplement. C'est un ancien capitaine des marines de l'United States Marine Corps, donc attention ça rigole pas. Concernant le capitaine Viktor Reznov en russe, bon ça je vous le dis pas parce que c'est trop compliqué, était un chef d'escouade de l'armée rouge dans Call of Duty World at War. Son influence jouera une part importante dans l'intrigue de Call of Duty Black Ops PS. Il est jouable dans l'émission Projet Nova de ce dernier. Il fait un bref retour dans Call of Duty Black Ops PS 2. Concernant Jason Hudson, c'est aussi un agent, enfin c'était un agent de la CIA pendant la guerre froide. Donc Monsieur Shadow, alias Matthew Charles Sander, familièrement connu sous son nom de scène. Monsieur Shadow est un personnage de Call of Duty Black Ops PS 2 et Call of Duty Black Ops PS 4. Il est le chanteur de Avenger Sevenfold, je sais pas trop, je connais pas ce groupe. Monsieur Shadow apparaît dans Black Ops PS 4 dans le cadre de l'opération Apocalypse Z en tant que personnage jouable en mode Blackout. Concernant le personnage Wood, donc c'est le maître sergent Frank Wood, c'est un personnage de soutien dans Call of Duty Black Ops PS. C'est un personnage jouable dans l'émission des années 80. Alors Dempsey, c'est un caporal tank. Dempsey est un marine américain qui a combattu dans le corps des marines des États-Unis et qui est un personnage principal jouable dans le mode de jeu zombie. De Menendez, Raoul Menendez est un activiste politique nicaraguayen et le principal antagoniste de Call of Duty Black Ops PS 2, Nikolai, alias, donc c'est le sergent Nikolai Belinsky. C'est un soldat russe qui a combattu dans l'armée rouge et qui est un personnage principal jouable dans le mode zombie. Richthofen, donc c'est le docteur Richthofen Edward. C'est un scientifique allemand qu'on retrouve dans le scénario du mode zombie. C'est un personnage jouable dans le mode zombie, bien sûr. Konekali est aussi meurtrier que Germain. C'est un espion pendant la révolution mexicaine. Diego est une légende vivante immortalisée dans les romans à la pièce de toute l'Amérique du Nord. Maintenant, le voleur fringant cherche son ami disparu, Alistair Rhodes, retenu captif par ceux qui cherchaient à libérer les forces des ténèbres. En tout cas, il y a un scénario assez fou dans Call of Duty. Je vais voir si je peux faire l'histoire des personnages, parce que franchement, c'est assez fou. Takeo, donc c'est le capitaine Takeo Masaki. C'est un japonais soldat, un soldat japonais, qui a combattu dans l'armée impériale japonaise. C'est un personnage principal jouable dans le mode zombie. Scarlett, alias Scarlett Rhodes, c'est un personnage jouable qui apparaît dans Call of Duty Black Ops PS4 Zombie. En histoire du chaos. Alors Bruno Delacroix, c'est un personnage figurant dans Call of Duty Black Ops PS4 Zombie, parmi les 4 personnages principaux jouables de l'histoire du chaos. Battery était déjà présente sur Black Ops PS3, les Spectres en démolition, Erin, Battery Baker, signe son grand retour dans ce nouvel opus. Alors Shaw, Stanton Shaw, est un personnage apparaissant dans le mode Call of Duty Black Ops PS4 Zombie et apparaissant dans l'histoire du chaos comme l'un des 4 personnages principaux jouables. Alors Nomad, déjà présent sur Black Ops PS3, l'espère en embuscade Tavo Nomad
Rojas signe son grand retour dans cet opus, bien sûr. Au revoir les Yves, c'est un fidèle toutou qui l'accompagne désormais au front. Outrider, orpheline ayant grandi dans les rues de favela, Rosinhei, à Rio de Janeiro, Alexandra Le Castillo doit sa survie à sa vue perçante et sa vivacité d'esprit. Ruin, donc déjà présent dans Placo PS3, le fonceur Donnie Ruin Walsh signe son grand retour dans ce nouvel opus. S'il était apprécié pour sa brutalité et l'efficacité de ses pointes de choc, Ruin pourrait devenir l'un des meilleurs spécialistes de Placo PS4 grâce à son grappin qui lui procure une vitesse et des possibilités de déplacement qui plairont pour sûr aux joueurs agressifs. Bon, moi je suis pas très fan de, en tout cas du grappin, mais bon, ça dépend des personnages. Ça dépend des personnes surtout. Prophète, déjà présent sur Black Ops 3, le chasseur David Prophète Wilkes signe son grand retour dans cet opus. Ajax, donc Ajax est le bélier, l'un des nouveaux spécialistes introduits dans Black Ops 4. Avec son bouclier, sa flash, il semble être l'homme idéal de la situation pour ouvrir la voie et capturer les points et objectifs. Zéro, donc Zéro, c'est un pirate informatique polyvalent et meurtrier disponible en multijoueur et en blackout. En mode multijoueur, Zéro peut perturber et distraire ses ennemis en utilisant les puissants outils de piratage dont elle dispose, apportant ainsi de nouvelles mesures contre-réactives dans Black Ops 4. Alors Crash est le soigneur et l'un des nouveaux spécialistes introduits dans BO4. Il a un profil de support qui apporte du soin et des munitions à ses alliés. Torque, c'est un défenseur et l'un des nouveaux spécialistes introduits dans BO4. Il est celui qui sécurise les objectifs en déployant sa barrière et qui ralentit la progression des adversaires. Recon, l'agent des renseignements, est l'un des personnages, est l'un des nouveaux spécialistes introduits dans BO4. Il décuple les capacités d'Outrider, BO3, en permettant de révéler les positions des ennemis sur la carte ou en les faisant apparaître en surveillance pour toute l'équipe. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, voilà, j'ai essayé de vieillir les personnages grâce à cette application. Après, à vous de voir si vous voulez l'installer, l'essayer, ça vous coûte rien, elle est gratuite. Certaines fonctions de l'application sont payantes, mais bon, si vous voulez juste vous vieillir, c'est possible de le faire gratuitement. En tout cas, voilà, n'hésitez pas surtout à vous abonner, liker, mettre un commentaire. Et voilà, dites-moi si ce genre de vidéo vous a plu ou pas. En tout cas, j'essaierai de le faire avec les personnages du prochain Call of, si ça vous a plu. Et savoir si aussi vous souhaitez aussi faire que je fasse une vidéo sur l'histoire des personnages. En vidéo, voilà, une vidéo par histoire d'un personnage. Voilà, dites-moi ça. Et on se retrouve bientôt sur le jeu.